Est-ce que la pluie est-elle vraiment polluante? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans mon univers. L'eau étant la source de toute vie sur la Terre, ne cessera jamais. Mais nous découvrons que ces sources disparaissent progressivement par les changements climatiques et la production devient nuisible. Je suis sûr que la vidéo vous plaira et je vous invite de tenir jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la notification pour ne plus manquer à aucune de mes vidéos. Nous savons tous comment se réalise le cycle de la pluie. L'eau qui monte dans le ciel grâce à l'évaporation des eaux des océans, des lacs et de tous les corps possédant de l'eau dans son organisme. Donc nous avons les êtres mouillés, les êtres vivants comme les hommes, les animaux et les végétaux. Et donc nous sommes victimes de la déshydratation, du cancer et même de la mort. Avec les progrès industriels, toutes les fumées dégagées par les centrales thermiques, nucléaires, des objets en combustion vont tous au ciel. Nous sommes tous les enfants de la nature et nous apportons notre contribution pour qu'elle puisse nous donner de bons fruits. Toutes ces fumées qui montent au ciel étant légères contribuent à la formation de la pluie dans les ciels. Revenons en arrière, nous remarquerons que la plupart de ces fumées qui montent au ciel ont toutes une certaine couleur. Mais lorsqu'on voit la pluie, nous remarquerons que cette couleur disparaît. Selon vous, où va-t-elle? Si vous savez la cause, partagez-la dans les commentaires de cette vidéo. C'est pour cela qu'il ne faut jamais boire l'eau de la pluie parce qu'on ne sait pas si elle a été bien traitée. Et si c'est le cas, faut jamais être sûr. Nous sommes nous-mêmes les destructeurs de la nature et si nous le voulons, nous pouvons tout changer et notre planète sera comme un paradis. L'industrialisme nous procure une vie aisée et comme on n'est pas parfait, à chaque fin d'une résolution d'un problème, il y a toujours un autre qui se crée. Sauvons notre planète ensemble et améliorons notre façon de vivre pour obtenir le bonheur qu'on nous a offert dans ce monde. Alors nous remarquerons que la pluie est vraiment polluante et si nous le voulons, nous pouvons tout changer pour que la nature qui est notre mère puisse nous donner de bons fruits. Merci beaucoup l'ami d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à la liker, de t'abonner et activer la notification pour ne plus manquer aucune de mes vidéos. Rendez-vous dans la semaine prochaine, à tout de suite.